Dans ce journal, nous verrons comment résoudre une panne de téléphone portable à partir d'un autre téléphone dit hors d'usage. C'est la trouvaille de ces jeunes bricoleurs du Black Market d'Adjamé. Également, cette visite surprise hier de la ministre de l'Éducation nationale dans certains centres d'examen d'Abobo et d'Anyama, Kandia Camara est venue se rendre compte du bon déroulement des épreuves orales du BEPC. Et puis un tour en Égypte où Abdel Fattah al-Sissi est réélu à la tête du pays sans surprise avec près de 97% des voix. Voilà, ce sont là les principaux titres de ce 12h30. Bonjour à tous et merci de choisir RTI2 pour vous informer. Nous avons souvent tendance à mettre immédiatement dans la corbeille un téléphone mobile qui n'est plus fonctionnel. Eh bien, sachez désormais que ces appareils que nous trouvons inutiles sont pourtant utiles pour ces jeunes bricoleurs du Black Market d'Adjamé. Ils utilisent les pièces et autres accessoires de ces téléphones hors d'usage pour en réparer d'autres. Et c'est une activité qui nourrit bien son homme si l'on s'en tient au dire de ceux qui l'exercent. Ils se sont exprimés au micro de Konaté Moussa et Franck Kouadio. Des téléphones de tout genre à portée de main. Ces appareils sont à la réalité inutilisables. Démonter et revendre les pièces, c'est le métier choisi par Boris, jeune homme de 28 ans. Un commerce qu'il exerce depuis un an dans la commune d'Adjamé. Il ramasse aussi les pièces, les vieux pièces aussi qui me donnent. Et ils sont les réparateurs, donc ils gagnent, ils me donnent ça. Ils sont plusieurs jeunes à pratiquer cette activité pour subvenir à leurs besoins. C'est le portable, ils payent ça mort. Le portable mort, c'est quelque chose que tu payes, que tu ne peux pas revendre à un client. Comme les pièces se vendent dans les magasins à des prix que tout le monde ne peut pas être capable de s'approprier, bon, ils viennent vers nous et nous, on les aide. C'est de ça que moi, je vis. Des téléphones hors d'usage dont les pièces et accessoires sont cependant utiles, écrans, batteries, plaquettes et bien d'autres sont récupérés et commercialisés. Ces pièces servent à remettre en état d'autres téléphones en panne. Je suis venu pour réparer mon téléphone qui avait un problème de micro. Ils ont pris un autre micro sur un ancien téléphone pour remplacer le mien. Et maintenant, ça marche bien, bien. Les anciens téléphones, les pièces sont durables. Voilà, donc la raison pour laquelle on aime beaucoup les anciens téléphones. Vendeur de téléphones usés. Une activité qui a ses inconvénients. L'on taxe souvent ces jeunes d'être des receleurs de téléphones volés. Il y a d'autres qui sont volés, des portables aussi, mais nous, on ne sait pas. Si on sait, on ne va pas les payer. À toute corporation, il y a les brebis galeuses. Sinon, nous sommes des êtres honnêtes. Voilà, en tout cas, on cherche notre vie tranquillement, la sueur de nos francs pour manger. L'activité prend toutefois son envol. On pourrait le dire, un appareil endommagé est donc source de richesse. Cette brève en images, depuis hier et ce jusqu'au 6 juin, les élèves de la 3e mais aussi les candidats libres sont face aux examinateurs dans le cadre des épreuves orales du BEPC. Et hier, ceux de la commune d'Abobo ont eu le privilège de bénéficier du soutien de Kandia Camara, ministre de l'Éducation. Elle a visité plus précisément le groupe scolaire Sainte-Foy et le lycée moderne à Danyama. Kandia Camara est venue s'enquérir du bon déroulement des épreuves et du niveau de connaissance des candidats. Le corps des instituteurs ordinaires verra bientôt ses effectifs renforcés de 200 élèves maîtres. Ils font partie de la 39e promotion du CAFOP de Mans. Cette promotion baptisée Kandia Camara a fait sa sortie récemment en présence de la marraine, ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamisoko Camara. On en parle avec Eve Boué et Charles Tatou. Une procession au son de la fanfare de la ville, des chants et des cris de joie. Ces jeunes gens, futurs instituteurs, rejoindront très bientôt la grande famille de l'éducation nationale pour former les élèves du primaire. Procédant au baptême de la 39e promotion du CAFOP de Mans, la ministre Kandia Camara a prodigué de sages conseils à ses filleuls afin qu'ils soient des modèles. Chers élèves maîtres, vous devez avoir une noble idée de votre future profession. Dans un monde qui tangue au gré des vents, l'instituteur doit être la citadelle qui ne flanche jamais. Soyez partout et toujours des modèles de bonne moralité. Si vous voulez être des instituteurs respectés par vos élèves, vous devez toujours avoir le cœur à la tâche. Je vous exhorte toutes et tous à être des artisans de l'école de l'excellence. Les filles ont, quant à eux, exprimé leur joie à l'endroit de leur marraine.
Voilà, Madame la ministre, comme ma reine était pour nous un rêve, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Vu les travaux qu'elle est en train de réaliser déjà, la réhabilitation de cette école, franchement, c'est une joie. Nous sommes vraiment contents parce que durant l'année scolaire, c'était vraiment difficile, mais quand même on a tenu. Occasion pour la ministre Kadia Camara de témoigner de sa gratitude aux autorités administratives, élus locaux, organisations internationales et aux opérateurs économiques qui, chaque jour, selon elle, œuvrent pour relever le défi de l'excellence dans la région du Tonkpi. Le CAFOP, qui, il y a de cela quelques mois, était une broussaille, est aujourd'hui un lieu fréquentable. L'étude, c'est une connaissance, et la connaissance, c'est une force. Donc c'est la moindre chose qu'on puisse faire pour nos enfants, pour avoir des bonnes conditions. La 39e promotion du CAFOP de Mans compte 250 élèves maîtres, dont 151 garçons et 99 filles. Compenser un ouvrage littéraire pour son engagement citoyen et moral, c'est là tout le sens du Grand Prix Calcédra, dont le jury est essentiellement composé d'élèves des lycées et collèges. Et pour cette 6e édition, c'est l'ombre d'Imana de Véronique Tadjo et les deux écureuils de Rustomaya pour la catégorie choix littéraire des élèves qui ont été primés. C'était au Goethe Institute à Cocody en présence de notre reporter Franck Wadio. Le livre est le microcosme inanimé qui érige les citadelles des territoires interdits. L'ombre d'Imana, le récit témoignage du drame du génocide rwandais de l'ivoirienne Véronique Tadjo, conté sur scène. Des regards juvéniles scrutant plusieurs œuvres littéraires, objectif du Grand Prix Calcédra des lycées et collèges. Le Prix Calcédra, l'objectif, c'est d'accroître la population de lecteurs au sein de la population jeune. L'ombre d'Imana, lauréat donc du Grand Prix Calcédra pour les lycées et collèges, depuis son instauration en 2006, c'est un jury constitué d'élèves qui détermine le Grand Prix après des présentations faites par des délégués d'écoles sélectionnés sous la supervision d'hommes de lettres. Un exercice jugé exaltant. Nous avons parcouru 7 œuvres. Nous avons choisi de défendre une œuvre principale. Nous avons défendu les vers de Corythéus de Tommy Gobi d'Aliston. Mais ça me fait plaisir parce qu'au moins, ils auront lu le livre et puis dit ce qui va ou ce qui ne va pas. Innovation cette année, le Grand Prix des écoles primaires attribué à Rustam Ayat. Mais les initiateurs n'entendent pas s'arrêter à cette étape. Nous allons continuer d'offrir des ouvrages dans les établissements, aider les établissements à améliorer leur interface d'accueil dans les bibliothèques. Notons que 19 établissements scolaires et 14 ouvrages étaient en ligne de mire pour l'édition 2014 du prix Calcédra des lycées et collèges. Le livre est un modèle à sa guise, transforme et éclaire l'humanité. Comment prévenir les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques sur l'environnement? La problématique était au cœur des échanges hier lundi entre les experts de l'Union européenne et le Bureau national des centres pour la prévention et la réduction des risques nucléaires. Patricia Omou-Etia nous en dit plus. Depuis l'année dernière, la Côte d'Ivoire fait désormais partie du réseau de pays partenaires de l'initiative des centres d'excellence NRBC, entendez, nucléaire, radiologique, biologique et chimique. La mise en œuvre de ce projet, qui est d'intérêt sous-régional, permettra également, en marge de toutes les dispositions déjà prises par le gouvernement ivoirien, de renforcer notre politique nationale en matière de gestion des risques NRBC, à renforcer la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite des matières et déchets NRBC et enfin à doter notre pays d'un plan d'intervention adapté en cas de crise. L'initiative a pour but d'accompagner les institutions et experts locaux des pays partenaires dans le développement d'une culture du risque de sécurité face aux menaces des matières et déchets nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Le but ici de cet atelier, c'est vraiment de déterminer quelles sont les capacités de la Côte d'Ivoire à gérer ce risque et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au niveau du réseau international. Ce que nous, on peut leur apporter avec l'initiative. Voilà. Après l'étape de validation du NAC, nous allons procéder à l'élaboration du plan stratégique national qui va nous permettre de rendre nos institutions aptes à intervenir en cas de crise ou de catastrophe comme ce qui s'est passé dans le cas du Provo Kuala en 2006.
L'initiative des centres d'excellence nucléaire, radiologique, biologique et chimique entend accroître pour les années à venir son soutien aux pays membres du réseau. Restons dans le domaine de l'environnement pour parler des lémuriens de Madagascar qui risquent de devenir dans un futur très proche une légende. Ils sont menacés par la déforestation, mais aussi par un phénomène lié à la pauvreté et à l'exploitation illégale, car de plus en plus de malgaches chassent ces primates pour se nourrir. Reportage. Ils font la fierté de Madagascar. Les lémuriens peuplent la grande île depuis 7 à 10 millions d'années. Les 105 espèces recensées ici ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Mais aujourd'hui, ce mammifère inoffensif est en grand danger. Selon les chercheurs malgaches, la majorité des lémuriens du pays pourrait disparaître d'ici 25 ans. 94% des lémuriens sont menacés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a des espèces qui sont critiquement en danger, il y a des espèces en danger, il y a des espèces vulnérables. 94%, nous sommes parmi les premiers dans le monde, là où les menaces sont vraiment très très fortes. C'est la déforestation massive et la pauvreté qui tuent les lémuriens à petit feu. L'exploitation du charbon de bois et le trafic de bois précieux détruisent leur habitat naturel. Ils sont aussi traqués pour leur viande. Leur frimousse n'attendrit guère les braconniers. 150 aires protégées ont été construites durant la dernière décennie. Un effort encore insuffisant. Il y a des obstacles qui entravent la gestion des aires protégées, par exemple les feux de brousse, la coupe des bois dans la forêt et la chasse. Certains refusent d'arrêter la pratique de la chasse. L'État malgache a une politique pour protéger les lémuriens, mais il ne faut pas non plus négliger les villageois qui vivent près des aires protégées. La solution la plus simple, c'est encore l'élevage en captivité. Comme ici, au parc zoologique de Tsimbazaza, au cœur de la capitale malgache. Des grandes cages accueillent plus de 150 lémuriens. L'argent du zoo suffit à peine à les nourrir. Difficile de trouver des fonds après 3 ans de crise. Sauvegarder les lémuriens est pourtant vital, insistent les chercheurs. C'est un patrimoine national précieux à transmettre aux futures générations et aussi un très fort atout touristique. Au Nigeria, les autorités ont interdit en début de semaine les manifestations de soutien aux lycéennes kidnappées par Boko Haram. C'est une décision prise pour des raisons de sécurité. Sans plus de détails, a annoncé lundi le porte-parole de la police de la capitale fédérale, Abuja. La décision est tombée comme un coup près. Les autorités nigérianes interdisent l'organisation dans la capitale fédérale des rassemblements de soutien aux adolescentes détenues par Boko Haram. D'après l'armée, cette mesure vise à prévenir le risque de voir des éléments dangereux se mêler aux manifestations pour y déclencher des explosifs. Malgré cette entrave à la liberté de manifester, le ministère de la Défense se veut rassurant. Les différents services sont en train de travailler 24 heures sur 24 et échangent constamment leurs informations avec nos partenaires étrangers pour venir à bout du terrorisme. Les groupes locaux, eux aussi, collaborent étroitement avec nous pour assurer le succès des efforts visant à ramener nos filles. Les organisateurs de la campagne Bring Back Our Girls, Ramener Nos Filles, qualifient cette décision d'illégale. Avant d'attaquer cette mesure devant les tribunaux, ils se sont réunis lundi à Abuja pour tirer la sonnette d'alarme sur l'état de santé des jeunes otages. Plusieurs journaux nigérians citant le Daily Mail paru dimanche nous ont appris que l'une des filles s'était cassé le poignet et que plusieurs étaient malades. Cela fait 50 jours que Boko Haram retient en otage les quelques 200 lycéennes de Chibok. La secte islamiste radicale se dit prête à les libérer en échange de certains de ses militants actuellement en prison. Lundi, l'Union européenne a ajouté Boko Haram à sa liste des organisations terroristes. Et on l'a appris sans surprise, vous allez le voir en image, la réélection du maréchal Abdel Fattah al-Sissi à la tête de l'Égypte. Les chiffres ont été rendus publics par la commission électorale. Et le maréchal qui dirige de facto l'Égypte depuis la destitution de Mohamed Morsi il y a 11 mois est donc officiellement le nouveau président égyptien avec 96,91% des voix. Une autre élection présidentielle, cette fois c'est en Syrie, où les partisans de Bachar el-Assad jubilent déjà au lendemain de l'élection présidentielle dont les résultats officiels seront proclamés demain jeudi. Rappelons que le scrutin s'est vu prolonger de 5 heures supplémentaires vu l'afflux massif d'électeurs, 15 millions au total.
Merci à tous de votre attention. Je serai encore avec vous demain pour un autre point de l'actualité. Au revoir.